Conduits par la magistrate Sidonie Flore Houé, les membres de la Confédération des associations du Gabon ont expliqué dans un langage simple aux populations de la capitale gabonaise la nouvelle ère qui s'ouvre pour le Gabon à laquelle tout le monde doit participer. Ce message intervient dans un contexte où les Gabonaises et les Gabonais expriment à souhait leurs préoccupations. Les populations ont les problèmes de plusieurs ordres, sociaux, médicaux, d'éducation, logement. Mais en réalité, nous essayons ici, parce que nous faisons, de recentrer les priorités même de la transition. Vous comprenez? Donc ce que nous essayons d'expliquer aux populations, c'est que les besoins sont légitimes, les revendications sont légitimes, mais le temps qui est imparti aux autorités de la transition, c'est uniquement pour la restauration des institutions et dans une moindre mesure, justement assurer les affaires courantes du pays. La démarche est appréciée par les participants. Les acteurs de la société civile recommandent aux riverains de ne plus adopter les comportements du passé. Je me retrouve à une population qui ne sait pas comprendre. Et pourtant, la constitution qu'on nous parle est vraiment vrai et facile. Madame a dit, ne suivez plus les gens n'importe comment. Ne suivez pas les gens qui viennent vous donner les cuisses de poulet. Parce qu'une fois qu'ils viennent vous donner les cuisses de poulet, on les vote. Quand on les a votées, on ne voit plus rien. Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Cette campagne d'explication vise à permettre à tous les citoyens de comprendre ce qui se joue au sommet de l'État. Comment peuvent-ils y contribuer ? De sorte que les décisions qui sont prises tiennent compte de leurs aspirations. La restauration des institutions passe aussi par un changement de mentalité.